Si que tu peux le dire, vous menacez déjà. Bon, Que tu vas repérer les noms. bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Voilà, donc welcome to everybody. Vous pouvez partager le direct si ça ne vous dérange pas. Mon frère, même si le direct il y a les filtres, Facebook fait quoi comme ça? Facebook encourage les CEO. Non, ils ont fait ça sur TikTok. N'est-ce pas? Enfin, TikTok, parce que là, tu le dirais qu'il y a les filtres. Même si les directs, tu vois les filtres. TikTok a les filtres mal. Tu peux mettre les effets sur ton direct. Voilà, Longa disait souvent quoi? Connectez-vous, connectez-vous, Connectez-vous. connectez-vous, 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 On est connectez-vous, en train de connectez-vous. parler. Je veux parler, connectez-vous. Voilà. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très belle journée et que tout se passe à merveille dans votre vie, en fait. Voilà. Donc, j'ai prévu faire un direct ce soir pour un droit de réponse parce que j'en pouvais plus là. Je voyais déjà mon nom écorché. Traité, préparé dans tout genre de sauce et tout. Et puis, c'est pas assez honorable pour quelqu'un qui mérite beaucoup, beaucoup plus de respect dans ces pays, en fait. Voilà. Vous savez, c'est vrai qu'on est dans un pays où. Beau gosse. On est dans un pays où on manque beaucoup de respect aux gens. Vous comprenez un peu. Partagez le direct. Pourquoi vous ne partagez pas? Partagez le direct. Partagez le direct. On est dans un pays où, et en certains laissez-aller, où chacun fait ce qu'il veut, dit ce qu'il veut, pense ce qu'il veut, en oubliant qu'il y a ce qu'on appelle la loi. Je dis souvent à certaines personnes que. Il y a les ministres en prison, non? Hein? Les ministres milliardaires qui pensaient être intouchables dans ces pays. Ils sont en prison. Hein? Ça, combien de fois les gringalets? Combien de fois les asticots? Combien de fois les asticots? Parce qu'il y a un truc au Cameroun, quand tu fais un truc au Cameroun, tu fais un truc sur Internet, on t'applaudit, on te noie, on t'enfonce, on te noie, on t'enfonce. Hein? Les fausses personnes viennent maintenant par derrière que non, non, pompe, 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 pompe. Regarde, voilà quelqu'un qui me dit, partagez pourquoi on fait malhonnête. Je suis malhonnête maintenant sur Internet. C'est-à-dire que je suis malhonnête de mon propre travail. Je suis malhonnête de mes propres efforts. Je deviens malheureux de l'histoire que j'ai créée en fait. Hein? C'est un peu comme tu construis une maison, on te dit que désormais tu vas dormir dehors. Et nous on va dormir dedans avec toutes les portes fermées. Le créateur, tu es pas sa créature. On dit, tu finis de construire une maison, on dit désormais tu vas rester dehors. Nous on va rester dedans. Salut, je vous ai laissé des messages inbox depuis. Mais je n'ai toujours pas reçu de suite. Pardon, après le direct, tu me relances, s'il te plaît. J'ai passé une semaine. J'ai passé la semaine la plus affreuse de ma vie. Parce que j'allais pas faire ce direct. Mais c'est parce que je vois les gens qui s'agitent sur Facebook. Et que je dis, et je me suis dit, il faut que je vienne dire la vérité aux gens. Même s'il faut que je me sépare de mes amis d'enfance. Comme je l'ai d'ailleurs fait. Il y a un que j'ai bloqué. Un ami d'enfance que j'ai bloqué sur Facebook, sur WhatsApp. Hein? Je vais donner son nom après. Je l'ai fait parce qu'il m'a trahi. Je prends ça pour une autre trahison. Au Cameroun, on a l'habitude de dire oui, telle personne est star. Telle personne est star. Telle personne est star. On ne vous montre jamais ceux qui ont travaillé derrière. On ne vous montre, on ne parle jamais en bien de ceux qui ont travaillé, de ceux qui passent les journées à créer les stratégies. À mettre les sous, les 5 francs, les 10 francs, les 25 et tout, pour que le projet avance. On ne parle jamais d'eux. Mais dès qu'il y a scandale, pam, on commence à parler d'eux en mal. Tu comprends un peu? J'ai pitié des gars comme Dex Willy. Dex Willy qui fait le tout premier producteur de ténor. Mais on a vu comment ça s'est passé après. Moi, je connais les souffrances de ces gens. Je connais les souffrances de Dex Willy. Aujourd'hui, le gros, ta fille, c'est là maintenant. Il dit qu'il est manager, il est manager. Ta fille, ça fait quoi sur ténor? À pas manger. Ta fille, ça n'a rien fait pour ténor. Le dieu de ténor, c'est Dex Willy. Tu comprends un peu?
quand Tenor fait son freestyle sur Nathalie, machin et tout, à l'époque, j'étais le tout premier qui a partagé le freestyle de Tenor. Personne ne connaissait même Tenor. Ça, j'ai eu près de 100 000 vues avec sur ma page. Il y avait une de mes pages. J'avais une de mes pages qui était très suivie à l'époque. Le freestyle a fait plus de 100 000 vues sur mon compte. C'est où les gens commençaient à s'intéresser à Tenor. Dès que je voulais entrer, il a produit d'où le DAP que tout le monde a vu. Hein? Il voit, j'ai pas resté aux États-Unis. Il dit que non, il faut quand même que mon petit soit avec quelqu'un du game. On met ta fils derrière. Ta fils pas monter le coup. Ta fils pas monter le coup pour écarter, pour écarter d'ex-Willy sur le projet. Il se positionne, il mange seul. Voilà, aujourd'hui, l'enfant, le truc, se retrouve dans la situation de karma. Parce que la vérité, c'est le karma. Il faut dire ça aux gens. La vérité, c'est le karma. Tous les petits frères qui ont lâché les artistes, qui ont lâché les premiers producteurs, ne sont allés nulle part. Et tous ceux qui ont lâché d'ex-Willy vont payer tôt ou tard. Tu comprends un peu? Même pas lâcher, lâcher de manière... Lâcher de manière abusive. Lâcher de manière abusive. De manière violente. Vont regretter tôt ou tard. On est là au Cameroun, non? On ne va pas mourir, non? Vous allez voir. Bon, je prends encore un exemple. Il y a le célèbre artiste d'Exi, on sait que c'est Ash for Life au départ et tout. Dès qu'il a lâché Ash for Life, c'était fini. C'était totalement. C'était fini. Je vais prendre un exemple, mais voilà Mr. Leo. Voilà Mr. Leo qui a lâché Alpha Beta Records. Mr. Leo est où depuis? Ça ne donne plus. Pourtant, par art, Mr. Leo pouvait te pondre même 4 tubes. 4 tubes. Non, je vais parler de la page là. J'arrive là, je vais parler de la page là. Non, Yves, parce qu'on parle du général au particulier. Si vous n'avez pas fréquenté, tant pis pour vous. Allez sur vos pages de Kongosa où on parle avec le français archaïque là. Ici, nous sommes méthodiques. On parle du général au particulier. Voilà, locaux. Tout sont des connaissances. Mais depuis qu'il a quitté Big Green, ce n'est plus jamais pareil. Ça n'a plus jamais été pareil, frère. Disons-nous des vérités. Hein? Disons-nous, depuis qu'il a lâché Alpha Big Dream, ça n'a plus jamais été pareil. Je peux vous prendre même 10 exemples comme ça. Je dis bien 10 exemples comme ça. Alors, je vais parler de ce qui m'amène ici. J'ai vu une vidéo où on m'a copieusement injurié. L'histoire qu'on ne vous a pas dit, c'est quoi? Parce que je veux aussi aller du général au particulier. Ce petit frère, je le découvre l'année passée, au mois d'août. Ça fait un an jour pour jour. Tu comprends un peu? Il n'a pas de page Facebook. Il n'a aucune page Facebook. Il a peut-être 3000 abonnés sur Instagram ou peut-être 10 000 abonnés sur TikTok, un truc comme ça. Je prends sa vidéo qu'il avait faite pour le bac. Je mets sur mon statut WhatsApp. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Ça ne vous coûte rien. Mettez le direct là dans le groupe de Kongosa où on est en train de me vilipender inutilement et bêtement sans connaître la vérité là depuis. Ayez parfois un cœur d'écouter les deux versions avant de vous prononcer. On me traite de malhonnête sur Internet. On me traite de X, de Y depuis quelques jours, depuis 3 jours. Et c'est une histoire de depuis la semaine passée. Mais je n'ai pas parlé de ça. J'ai masqué ça. C'est une histoire depuis la semaine passée. Alors je prends le petit, je dis, je mets sur mon statut un dimanche. Je dis, cherchez-moi le petit ici. On m'envoie son numéro, je l'appelle, je dis, viens. Il vient me retrouver dans un restaurant et tout. Il avait fait la vidéo du bac là. J'avais aimé la vidéo du bac. Je ne le connaissais pas du tout. Ouvre la porte là. J'ai vu la vidéo du bac, j'ai dit, bon, le petit, ça c'est quelqu'un qui peut avoir. J'ai senti le petit en fait. Parce que hein, c'est un niveau de... dans le showbiz, tu peux sentir un artiste. C'est pourquoi on ne travaille pas avec tout le monde. Il y a des artistes qu'on ressent, en fait. Vous comprenez un peu. J'ai dit non. Je peux développer quelque chose avec l'enfant ici et tout. Je l'ai appelé. Un dimanche, nous sommes allés chez un de mes amis et tout. On a causé. J'ai jamais fait de contrat, même. J'ai pas fait de contrat. Mais quelques semaines après, j'ai dit non. L'histoire-ci peut m'amener. L'histoire-ci, comme je suis en train de développer et que c'est en train de prendre là, il faut que je protège mes arrières. Nous nous sommes assis et qu'avant de faire le contrat, les parents m'ont menacé.
Je suis allé voir les parents, j'ai dit non, laissez, même si l'enfant est têtu à la maison, je serai le meilleur grand frère pour lui parce qu'il est le premier-né de sa famille et tout. Laissez-moi, désormais je suis son grand frère. Donc en dehors d'être son producteur et manager, parce que sur Internet, ça fait croire aux gens que je suis uniquement manager. Je suis producteur et manager. C'est-à-dire, je finance les vidéos, je finance Y, je finance X. Retire la fiche là. La publicité là, ouais. Je finance X, je finance Y et tout. Je marche avec le petit. On toque toutes les portes. Je le présente à tous mes amis qui peuvent aider sur le projet. J'appelle tel ami. Gars, j'ai un petit que j'ai signé là. Il est drôle, il est machin, tout. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui dans ton entreprise? On peut faire quelle publicité pour lui là-bas? On peut faire quoi? J'appelle les petits réalisateurs. J'appelle mes petits qui sont les réalisateurs et tout. Une minute, pardon. Donc j'appelle mes petits réalisateurs, je dis, bon, on a un petit, il n'a même pas encore fait de vidéo professionnelle, ils font les vidéos uniquement avec les téléphones et tout, j'appelle mes petits réalisateurs, j'ai les caméras pour mon entreprise, je dis, ok, ça y est, je vais faire, on va passer à l'étape du cinéma, ça veut dire, désormais tu as des scénarios, ce n'est plus uniquement les vidéos TikTok. Parce que ce que les gens vont savoir, c'est que c'est le premier TikToker à être célèbre. L'eau, ok. C'est le premier TikToker à être célèbre. C'est le premier TikToker que j'ai rendu célèbre. Tu comprends un peu, non? Que j'ai rendu célèbre. On ne le connaissait pas. Il n'était pas star. Il faisait leurs vidéos là-bas sur TikTok. Sur Instagram, il faisait les vidéos. Il avait les 5 likes, les 10 likes, les 30 likes. Et même, il y a même une vidéo où il dit qu'avant, ce n'est que les membres de sa famille. Qui likait ses vidéos, machin, qui regardait ses vidéos et tout. Et parce qu'il a dit ça à l'émission, oui. C'est comment un canal 2. Alors je dis ceci, ok, il n'y a pas de problème. Je mets les caméras, on commence les tournages que vous avez vus, on commence tout le travail que vous avez vu. Le petit est d'une politesse indescriptible. Le petit est poli, il m'appelle Bic. Il m'appelle Bic, moindre erreur c'est Bic. Moindre erreur c'est grand frère. Moindre erreur c'est ceci, moindre erreur c'est X. Tu as dit que tu ne devais pas faire le direct, non, que tu es Mathieu, machin et tout. Oui, c'est parce que je vois qu'il est en train de prendre une autre allure sur Facebook. C'est l'image de Pifo qui est détruite. C'est l'image de mon entreprise qui est détruite, en fait. Je dois sauver l'image de mon entreprise. Je ne dois pas laisser que la situation s'empire. Alors, je restitue la vérité. Alors, je prends le petit, on commence à gagner les marchés. Je commence à le positionner sur les gros marchés. Je ne vais pas citer le nom des entreprises pour mesure de prudence et tout, parce que ce sont mes collaborateurs avec qui je travaille depuis 4 ans. On a de très bons contacts et tout. On commence à les mettre sur les grosses affiches, sur les gros ceci, les trucs dont tu n'as jamais rêvé. Il vient me dire que grand frère et tous mes amis avec qui je fais les TikTok sont jaloux et ils sont en train de voir l'évolution. Je dis oui, ils seront de plus en plus jaloux parce que j'ai un plan de carrière pour toi. Mon père, tu rends célèbre que toi-même, tu étais célèbre. Tu connais le manager de Céline Dion. Bon, moi, tu connais le manager de Céline Dion. Tu connais le nom du manager de Céline Dion. Est-ce que les managers ont besoin? Est-ce que les managers ont besoin d'être célèbres? Non. Lui, il manque d'être son artiste. Oh, alors donc, je mets sur pied une politique de développement artistique. On développe le petit. Il a une grosse notoriété. Après, je me rends compte que je n'arrive plus à contrôler le petit à cause de la célébrité. Alors à chaque fois, même à la maison, il devient incontrôlable. C'est la maman qui m'appelle, que je t'avais dit que je ne veux pas que mon fils soit dans les histoires là. Pardon, regarde comment il ne dort pas à la maison, il ne dort pas à la ceci, pardon. Regarde comment mon fils est devenu. Je pleure, je dis maman, excusez-moi. Mais je vais régler ça. Certes, c'est un enfant, mais il m'écoute beaucoup. Je vais l'appeler, on va régler ça. J'appelle le petit, vient à la maison, on court. Je dis la maman n'est pas contente parce que. Ça en fait 2 jours, bam! Il recommence les conneries. Bon, puisqu'il est venu m'exposer sur Internet, j'ai aussi le droit de l'exposer, non? Je peux aussi l'exposer, non? Ça, c'est même pas exposé. Je dis même la vérité. Parce que mon rôle de producteur, c'est de couvrir. C'est-à-dire que tu as passé le temps à couvrir un petit idiot. Aujourd'hui, c'est lui qui vient lever les épaules avec toi. Alors, dans nos bases, c'est quoi? On ne parle pas de femmes, toi et moi. On ne se partage pas les femmes. Parce que tu n'es pas mon égal, je ne suis pas ton égal. Si je te vois avec une fille, là, sa copine, la copine d'anniversaire, là, celle avec qui il a fait les bisous pour l'anniversaire et tout.
c'est sa petite amie que je connais. Ça dit, tout, si tu vois avec une fille, ça ne m'intéresse pas. Tu vois avec une fille, ça ne t'intéresse pas et tout. Mais je me rends compte que c'est le contraire. Je reste tranquille. Je dis, mais le petit veut déjà avoir le même. Quand je drague une fille, veut draguer une fille comment? Ça veut dire, il y avait déjà un manque de respect avancé qui a vu le jour. Tu comprends un peu? Et c'est normal. Un grand frère normal ne doit pas supporter voir son petit frère avec une fille avec qui il traîne. Ça veut dire que le respect même du travail est mort. Tu comprends un peu? Alors, ok, tu prends 60% pour le destin de l'enfant. Quel destin? Je vous dis ceci. Ils sont nombreux qui sont talentueux. Le talent représente 20% du succès. Écoutez bien ceci, je vous dis. Toi-même, tu es artiste. Le talent représente 20% du succès. Le reste de 60%, c'est le bon producteur qui met son argent, qui met ses relations, qui met ses moyens humains pour que l'artiste brille. Le reste de 80%, c'est le bon manager qui trouve les marchés pour que l'artiste vive bien, qu'il ait une maison, qu'il s'habille, qu'il soit propre, qu'il soit ceci. Bon, jusqu'à aujourd'hui, est-ce que je n'ai pas fait mon travail de bon manager? Il a un jour eu un scandale sur Internet. Hein? Tu as un jour eu un scandale sur Internet? Il n'a jamais eu un scandale sur Internet, non? Jamais. Hein? Jamais. Parce que dès qu'il y a moindre chose, je couvre. Dès qu'il y a moindre chose, je prends le devant. Même dans la vie privée. Allez, quand on attaque mon quartier, il m'appelle big. Je viens avec mes retours, on gère ça autrement. Je tue l'affaire. Quand on le provoque, il me dit pifo. Je fais mon rôle de grand frère. Je fais mon rôle de grand frère, de producteur et de manager. Alors, moi dans mon entreprise, quand je te signe dans mon entreprise, j'ai 60% parce que les 60% représentent le pourcentage du producteur qui est de 40%. Ce qui est même petit pour un producteur normal. Au Cameroun, il y a les artistes là. Hein? Il y a vos artistes qui sont tellement célèbres là. Ils ont 20% dans les labels. On ne vous dit pas ça. Tu connais non, Raphaël? Ils ont les 20% dans les labels. Oh, je dis, ils ont les 20% dans les labels. Vous avez induit l'enfant là en erreur. Personne ne va le manager comme ce que... Personne ne fera de lui c'est comme ce que j'ai fait là. En fait, personne ne va lui faire le bien que j'ai fait là. Un an de succès. Il n'a pas chuté. Il était donc star. À un niveau, je me suis rendu compte que le petit n'est plus productif. Il ne travaille plus. Il ne fait plus les vidéos du genre avec l'esprit parce qu'il est mélangé dans les histoires. Il est partout à Bonamou. Ça dit, il est devenu vulgaire. Tu tournes la voiture, tu le vois à Bonamou. Tu regardes un tel snap, tu le vois. Non! Je suis d'abord son grand frère. En fait. Je dois le sanctionner. Et même qu'elle avait les problèmes à la maison, sa mère m'appelle, je lui dis que maman, laisse, je connais comment lui faire du mal. Quand je le retire sur sa page pour 2 jours, il a mal. Oui. Il revient à la maison. Tu comprends un peu? À chaque fois qu'on a des problèmes, je le sanctionne provisoirement en tant que grand frère, en tant que producteur, en tant que manager. C'est de mon droit. C'est ce que vous sur Internet, vous ne savez pas. On a un contrat signé et légalisé. C'est de mon droit, en fait, c'est de mon droit. C'est de mon droit de le sanctionner provisoirement. Ce n'est pas la première fois que je le retire de la page, en fait. Tu vois? Ça veut dire, chaque fois qu'il s'égare un peu, il a un égard de comportement pour le ramener à la normale, parce que je sais que c'est la page, c'est son cœur. Je le retire provisoirement, il revient à la maison, il redevient le petit que j'ai connu au départ, il redevient posé. Pourquoi vous encouragez l'enfant qui était poli hier à devenir orgueilleux face à celui qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui, à celui qui l'a rendu star en fait? Parce qu'il y a beaucoup qui font les TikTok, il y a beaucoup qui font les vidéos partout, mais ils ne sont pas stars. Ils ne sont pas stars. Je vous parle de la star mania. Travailler l'image de l'artiste. Travailler la notoriété d'un artiste, le charisme d'un artiste. C'est toute une étape que vous ne pouvez pas comprendre. Vous avez rendu l'enfant arrogant. Vous avez rendu l'enfant arrogant. Aujourd'hui, il est orgueilleux. Il parle mal, il s'agresse mal aux gens. À cause de Facebook. À cause des gens qui lui ont dit que n'est pas signé avec Pifo. Bon, s'il arrive que je le laisse là. S'il arrive que je laisse Tic là.
Est-ce que vous allez faire le travail que je fais depuis un an pour que ce petit frère soit au top? Vous pouvez faire ça. Vous allez seulement, vous allez seulement vous moquer de lui maintenant. Ils vont seulement se moquer de lui. Tu as disparu. Ils vont seulement se moquer de lui. Oui, oui, je ne fais pas la charité, c'est un business. C'est du business en fait. Le métier de production, c'est du business. Aux États-Unis, c'est plus solide même. T'es chez nous en Afrique, on s'amuse même avec. Alors, voici l'histoire qui s'est passée. Lui et Quincy, Quincy Brésil, Quincy que je produisais avant lui. Parce que pour ceux qui ne savent pas, c'est moi qui ai aussi caché derrière Quincy depuis. Mais aux enfants, j'ai interdit que vous ne me filmez pas. Ne me mettez jamais sur vos statuts. Parce que j'ai beaucoup d'ennemis. Hein? Et il ne faut pas que mes ennemis se retournent contre vous et deviennent vos ennemis. Les enfants n'ont pas autorisation de me mettre sur leurs statuts. Pour ceux qui me demandent si je veux être célèbre. Si je voulais être célèbre, c'est que je suis sur leurs statuts tous les jours, non? C'est que je me poste sur leurs pages tous les jours. Mais ils ont interdiction formelle de me poster sur leurs statuts, sur leurs pages. Récemment, il a fait un post que Pifo, meilleur manager, machin, machin. J'ai supprimé. Parce que je ne veux pas de ça. Le Camerounais va croire que c'est moi qui suis en train de vouloir me faire voir. Pourtant, ça ne m'intéresse pas. Je gagne assez ma vie. Oui, le problème, c'est que tu as voulu faire de lui ton ami. On ne mélange pas le business et l'amitié. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Voilà quelqu'un qui a compris. Voilà quelqu'un qui a compris. C'est vrai. J'ai voulu le prendre comme mon petit frère. Parce que lui, il n'a pas de grand frère. Tu crois, il est premier-né chez eux. J'ai voulu prendre ça. J'ai voulu le prendre comme mon petit frère. Et c'est pourquoi, avec sa maman, je m'entends très bien. Ça m'attend même comme ma pote en fait. On s'appelle, tu vas bien maman, machin, machin. On se dit bonjour, bonsoir et tout. Parce que je me dis, une bonne collaboration à la base, c'est une famille. C'est familial. Et je comprends qu'il soit jeune. Mais qu'il ne s'enfonce pas. Donnez-lui les bons conseils sur internet. Bon, je vais vous raconter la vraie histoire. Je disais tantôt que Quincy Brésil, c'est moi qui l'a produit aussi. Et qui a rendu la fille star. Parce que quand je rencontre Quincy, elle a aussi les mêmes choses, les 3000 abonnés partout. Je prends des caméras, j'engage des réalisateurs que je paye des vidéos. On tourne les vidéos, on met sur YouTube. J'appelle mes amis qui ont les grosses pages sur Facebook, on repartage. C'est comme ça qu'elle devient virale. Quincy était la première à être star. Après les partners, c'était Quincy. Et c'était mon travail. Tu comprends un peu? Après l'époque de Quincy, est venue la vague des TikTokers. Le premier TikToker célèbre, c'est qui? C'est tic, non? C'est tic dingue. Et c'était mon travail. Alors, il se peut que ils sont déjà insupportables. Pas les grands. Non, je n'ai pas confisqué sa page. Romaric. C'est, on ne s'entend pas sur Facebook. C'est un ange qui induit le petit là en erreur. La jalousie va tuer le gars là. Je vais parler de Cabrel tout à l'heure. Parce que je suis très fâché contre Cabrel. Cabrel, c'est mon ami d'enfance. On a fait les mêmes bancs au lycée classique de Baranté. Je suis très fâché. J'ai bloqué Cabrel. Est-ce que, Romaric, comme tu dis, je n'ai pas confisqué sa page. J'ai fait ce que j'ai l'habitude de faire quand mes petits frères se comportent mal. J'ai fait une sanction provisoire. Je vous retire provisoirement sur la page. Quand on s'entend encore, je vous remets. Je vous remets sur la page. Ce n'est pas ma page, Romaric. Ça ne m'intéresse pas d'avoir une page. Ma page, c'est là. J'ai 5 000 abonnés. J'ai près de 5 000 abonnés. C'est suffisant pour moi, manager. Je ne suis pas star. C'est suffisant pour moi, manager. C'est suffisant pour moi, manager. Alors, je suis resté dans mon bureau l'autre jour. Après les avoir retirés de ma page, je suis resté dans mon bureau l'autre jour. On est entré dans mon bureau. On a vu mes employés, on a demandé votre boss c'est où. Ils ont montré mon bureau. On a poussé mon bureau. Sans toquer. Ils se sont présentés, ils ont dit c'est tel de la police judiciaire. Est-ce que vous pouvez nous suivre, monsieur? J'ai dit, monsieur, je ne vous suis pas tant que je n'ai pas de convocation. Tant que je n'ai pas de mandat d'amener. Tant que je n'ai pas de mandat d'arrêt. Vous ne savez pas que les enfants là sont les diables. Que j'ai failli me retrouver à Newbell. À cause des gens que j'ai créés. Les messieurs là m'ont dit ceci. Lève-toi, tu nous suis. Oui, allume. J'ai dit, je ne vous suis pas. Montrez-moi la convocation. Ils sont venus dans mon bureau avec Quincy. C'est Quincy qui est venu leur montrer, qui a indiqué mon bureau. Et ils sont venus ensemble. J'ai dit, je ne vous suis pas.
Je ne vous suis pas. Ils m'ont brutalisé dans mon bureau. Mes employés sont venus, ils voulaient filmer, ils ont brutalisé mes employés. Regardez ma main. Voilà les cicatrices des menottes. Regardez bien ma main. Voilà les cicatrices. Voilà les cicatrices des menottes. On m'a enfermé dans mon bureau. On m'a brutalisé pour le travail que j'ai fait. Pour le travail, pour les enfants que j'ai rendus stars. On m'a enfermé dans mon bureau. Ils m'ont brutalisé. Ils étaient deux. Ils étaient au nombre de deux de la police judiciaire. Je n'ai pas parlé de ça depuis. Je ne veux pas parler de ça depuis. J'évite de parler de ça depuis. Il y a un élément de la police judiciaire qui a lancé les menottes sur ma main. Il a serré. Il a dit, on va te montrer ici à Douala. J'ai prévenu le monsieur là que ce que vous êtes en train de faire va se retourner contre vous. Très mal. Envoyez le cœur, pardon. On est en train de vouloir signaler le direct là. Envoyez le cœur. Envoyez le cœur. Envoyez le cœur. Envoyez le cœur. Un homme méchant. Regarde bien. Lis un peu un commentaire. C'est foutu et méchant. Un homme responsable ne fait pas ce que tu viens de faire au petit là. Je lui ai fait quoi? Écoutez la vraie histoire. Voici la vraie histoire. Voici la vraie histoire. Voici la vraie histoire. On m'a menotté. On m'a amené à la police judiciaire. J'arrive à la police judiciaire. Qui je trouve à la police judiciaire? Les enfants qui connaissent ma maison. Qui pouvaient même appeler leur mère. Qui pouvait appeler nos partenaires. Que le grand frère est en train de nous menacer. Pourquoi on essaie même de se trouver quelque part? On essaie de trouver un terrain d'entente. Ils sont allés me porter plainte chez un, là-bas à la police judiciaire. On a envoyé les gens me menotter. Je suis descendu en route comme un bandit, putain. On m'a traîné là-bas. À Fin Goudron Bifaga, là-bas, où j'ai mes bureaux. Comme un bandit. J'ai fait quoi pour mériter ça? J'arrive à la PJ. Et quand j'ai voulu retirer mon téléphone pour appeler mes grands frères, ils ont arraché mon téléphone. Parce qu'ils m'ont fermé dans mon bureau. Ils m'ont brutalisé dans mon bureau. Ils m'ont séquestré dans mon bureau. Quand j'ai retiré mon téléphone pour appeler mon grand frère, ils ont arraché mon téléphone. Ils ont mis mon téléphone dans leur poche. Je suis quitté de Ndokbon jusqu'à la PJ. Avec les bras menottés. Le lendemain, j'avais les bras gonflés. Parce qu'il faut qu'on vous dise la vérité sur Internet. On est en train de me traiter de méchant. Ce qui est faux. On m'a mis les menottes jusqu'à présent. C'est comme si je les trempe dans ma main. Regardez bien. Le sang ne passe pas bien à cause des menottes. Comment on a mis à cause d'eux. J'arrive à la pêche et qui je rencontre? Je vois Tiki là-bas bien posé, bien assis. Il ne me salue même pas. On m'entend. On me dit qu'est-ce qui se passe. Je dis, madame, je ne comprends pas. Je suis venu écouter. Pourquoi est-ce qu'on m'interpelle? On me donne une plainte. Je regarde la plainte. Je vois sur la plainte vol de page. Donc, le motif de la plainte, c'était vol de page. Que j'ai volé une page. Hein? Les pages de mes artistes. Ou, en tant que producteur, il y a une clause. Il y a une clause de mon contrat qui stipule que j'ai l'entière responsabilité. J'ai l'entière responsabilité de l'image de mes artistes sur les réseaux sociaux. Leur compte Instagram, je n'ai pas accès à ça. Ça ne me dérange pas. Leur compte TikTok, je n'ai pas accès à ça. Ça ne me dérange pas. Leur compte Instagram, je n'ai pas accès à ça. Ça ne me dérange pas. Je dis donc que vol de page, comment? Madame, pourquoi vous encouragez les enfants comme ça? Pourquoi vous encouragez les enfants si madame, la femme qui m'enquêtait, l'officier qui m'enquêtait, pourquoi vous encouragez les... Dites-le la vérité. Je suis le producteur, j'ai le droit de les sanctionner provisoirement, comme j'en ai d'ailleurs l'habitude de faire. Ils me disent qu'ils veulent résilier le contrat. J'ai expliqué à la femme là que, voici ce qui se passe. Actuellement, si je ramène les gros marchés, je ramène les marchés des millions, et les petits frères pensent que, comme ils ont déjà le numéro de mes amis qui ont les gros, de mes amis qui me donnent les gros marchés, ils peuvent m'écarter de la mangeoire pour manger les 100%. Parce que la vérité, c'est ça. Ils ont déjà le nom. Et au Cameroun, c'est ça qu'un artiste a le nom. Ils se séparent de son manager. Ils sont beaucoup qui ont fait ça. Mais ils ne savent pas qu'ils vont tous tomber. Tu comprends un peu? Les gars veulent m'écarter pour rester manger les 100%. Je dis à la femme que ça ne va pas se passer comme ça. Alors, il y a une clause. L'article 8 de mon contrat stipule que pour qu'il y ait résiliation de contrat, la partie qui demande la résiliation du contrat
doit s'arranger à dédommager la partie malheureuse à hauteur de son investissement. Tu comprends un peu? J'ai dit ça là-bas aux enquêteurs, que j'ai investi mes moyens financiers, mes moyens humains, mon relationnel, mon énergie pour qu'ils soient ce qu'ils sont aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi ils sont allés, je ne sais pas s'ils sont allés payer les gens là-bas à la PJ. On m'a obligé à faire certaines choses et tout, j'ai cédé parce que je savais que j'allais avoir raison bien après. J'ai cédé à tout, tu comprends un peu? Je dis donc à la dame là que pour qu'il y ait résiliation de contrat, on doit me dédommager. Monsieur, on m'a demandé d'aller rapporter tout ce qu'il y a dépensé sur eux. J'ai appelé mes réalisateurs avec qui je travaille depuis. J'ai appelé mes collaborateurs de Yaoundé qui ont sponsorisé les pages, qui ont fait ceci, qui ont fait ceci, qui ont fait ceci. Les factures sont montées. J'ai demandé 6 millions par personne. Si tu veux résilier le contrat, tu me donnes 6 millions parce que la notoriété qui était donnée, la stamania qui était donnée, tu vas manger sur ça tout ton restant de vie. Tu comprends un peu? Mieux tu me donnes mes 6 millions, je m'écarte. À défaut, que le contrat se poursuit. Que le contrat se poursuit. Je leur ai prévenu que où vous m'avez amené, là, vous n'allez pas vous en sortir. Ils pensaient que c'était la blague. Vous traînez votre producteur à la police judiciaire avec un contrat écrit et que je respecte tout depuis que je le connais. Je finance la vidéo. Je ramène les marchés, c'est-à-dire que je joue mon rôle de producteur et de manager. Non, on dit redonne-lui la page. Je ne lui redonne pas ça. N'encouragez pas l'hypocrisie. N'encouragez pas la méchanceté, le gros cœur. Parce que ce qu'il m'a fait là, un enfant dans votre quartier vous fera ça un jour. Et vous allez aux États-Unis, c'est pourquoi vous comprenez qu'on a tué les artistes. C'est le gros cœur qui font tuer les artistes. Vous comprenez, on dit que telle personne est morte comme ça, on ne sait pas pourquoi il est mort. Non, ça cause parfois du gros cœur des enfants. Je ne redonne pas la page. Pourquoi je redonne la page? Dédommagez-moi. Je vous libère. Parce qu'aujourd'hui, mon nom est partout sur Facebook. Comme étant un malhonnête, un bandit, un traître. Dédommagez-moi, aidez-le. Vous me donnez les 6 millions, je lui donne sa page. Ça ne me sert à rien. Comme vous l'aimez trop. Et que vous voulez l'encourager dans les bêtises. Dédommagez-moi. On m'a menotté pourquoi? Je suis bandit. Je suis bandit. On me menotte pourquoi? Je suis bandit. Avec le nom que j'ai au Cameroun, là, les artistes que j'ai aidés, deux oiseaux comme ça, deux petits cancres veulent me menacer. Alors je suis parti. Le voilà qui est venu, il est en train de regarder le direct jusqu'à il commente. Que reste là avec, je ne veux plus. Alors, ils m'ont porté plainte à la PJ. Je suis parti à la PJ, j'ai ramené mes factures. On m'a donné raison. On a donc dit, allez trouver un terrain d'entente. Depuis, il fuit la PJ. L'officier les appelle depuis 2 jours, ils ne viennent plus. Il y a l'autre Quincy qui a pleuré là-bas hier. J'ai eu pitié d'elle. Je lui ai demandé que ma fille, vous êtes mes enfants, est-ce qu'on avait besoin d'en arriver là? Vous êtes tous mes enfants, est-ce qu'on avait besoin d'en arriver là? Est-ce qu'on avait besoin d'en arriver là? Vous êtes tous mes enfants, est-ce qu'on avait besoin d'en arriver là? Parce qu'aujourd'hui, je suis sali sur Internet. C'est la réputation de la Pifo. C'est la réputation de mon entreprise et de mes enfants demain. On dira que Pifo, c'est votre père était un mauvais manager. Non, c'est faux. Qu'on arrête un peu de salir les producteurs et les managers au Cameroun. Parce qu'un manager, si ce n'est pas de son artiste, on tire seulement sur le manager. Les artistes sont les sorciers, qu'on ne vous mentez pas. C'est les vampires. Je dis non. Si un artiste vous grague, réfléchissez à 1000 fois avant d'accepter. C'est les gros sorciers. Quand ils ne sont rien, ils sont très polis. Ils sont polis et courtois, comme les anges. Je dis, quand ils ne sont rien, ils sont comme les anges. Ils vous demandent pardon, ils vous appellent grand frère, ils vous appellent big. Dès qu'ils deviennent star un peu là, ils vont t'écarter. Ils vont t'écarter. Alors voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Gars, hein, on pourrait porter plainte que je les ai amenés dans la sorcellerie. Ils veulent fuir le contrat. Tu comprends un peu?
On pourrait porter plainte que je suis en train de les amener vers le mauvais chemin, que je suis en train de vouloir qu'ils soient les homosexuels et machin, machin, comme on a l'habitude de parler depuis sur Internet, et ils veulent fuir le contrat. Ça, ça pouvait être une bonne cause motif pour porter plainte. Mais vous portez plainte à quelqu'un qui vous amène seulement vers le gros chemin. Il a échoué le BTS. Il n'est pas à l'école. Moi, son grand frère, tous les jours, je l'appelle. Je lui dis que, arrive à l'école, tu te filmes en classe, tu m'envoies les photos. Il n'est pas à l'école. On me demande de ne pas le sanctionner. Je suis son grand, avant d'être son producteur, je suis son grand frère. C'est mon devoir, son grand frère. Et en tant que producteur, je dois veiller à ce qu'il parte à l'école. Il n'est pas à l'école. C'est une année. Il n'est pas là à l'école 20 fois. Est-ce que c'est normal? On va supporter quoi? Ils passent leur journée dans les appartements meublés et que les grands frères les donnent, ils amènent les petites filles. Est-ce que c'est normal? Vous voulez qu'ils parlent? Vous voulez qu'ils parlent? Les choses qu'ils couvrent depuis. Les choses qu'ils couvrent parce que c'est il y va de l'image de mon artiste. Mais maintenant, si l'artiste entre en guerre avec moi, je fais aussi la guerre. Pour mon soutien en fait, pour mon image. Hein? Un grand frère qui te dit que pas à l'école. Petit frère, tes habillements là, ce n'est pas les habillements dignes d'une star. On va trouver le prochain marché, tu vas acheter les nouveaux habits. Petit frère, je veux plus que tu sois vulgaire, Bonamou Sadi. Tous les soirs, tu as Bonamou Sadi au bar public. Tu fais quoi là-bas? Une star. Pourtant, le petit avait un mythe que j'avais. Il avait un mythe que j'avais fait autour de lui. Hein? Tu sais que t'es star, que quand les enfants le voient, demander les photos. Mais il est devenu vulgaire. Il est devenu vulgaire. Vous n'avez pas l'idée. Hein? Tu as vu le travail, non? Non. Il dit que tous ceux qui me connaissent et tous ceux qui nous connaissent, nous deux, connaissent ce que j'ai fait. J'ai fait sur le petit là, comme travail. Même les petites soeurs de mes amis disent que quand ils me parlent, ils voient vraiment que ça arrive. Oui! Tu vois, tu sais que pas les petites soeurs de tes amis parlent de lui. J'ai dit que partout dans le monde entier, on ne sait pas que c'est mon travail derrière. Bon, le travail, avant sur le travail des artistes TikTokers, c'est seulement de prendre le téléphone et faire des vidéos, non? Il y a combien de personnes qui font les vidéos sur TikTok? Combien? Pourquoi tout le monde sur TikTok n'est pas star? Ah voilà Madame Cooper là. Madame Cooper qui parle seulement d'écraser le pistache là. Elle n'est pas star. Tu comprends un peu? Elle est célèbre sur TikTok. Elle a les abonnés. Oui. La lumière là, oui. Elle a les abonnés sur TikTok. Mais elle n'est pas star. Ils sont sur nombreux sur TikTok. Qui ont même les 300 000 abonnés. Mais qui ne sont pas. Qui ont même les 600 000 abonnés. Mais qui ne sont pas star que TikTok. Il y avait la petite fille, c'est Madame Selfie. Ou c'est Docteur Selfie. La petite fille de Yaoundé là. Elle avait combien d'abonnés sur TikTok? Plus de 200 000, non? À l'époque, il n'y a pas de l'année passée. Même quand Tik venait, Tik n'avait même pas encore. Il n'avait même pas encore 20 000 abonnés. Elle avait déjà 200 000 abonnés. Mais Tik était déjà star. C'est le travail du producteur et du manager. Rendre l'artiste star. Mais voilà donc ce qui se passe à la PJ. Depuis deux jours, ils sont allés me porter plainte de leurs frères. Pourquoi ils fuient maintenant encore la PJ? Alors on les appelle là-bas, ils disent qu'ils ne viennent plus. Ils ne viennent plus pourquoi? Non, c'est où j'en viens. Ils ont été mal conseillés par mes amis. Pas ton entourage. Pas mon entourage, mes propres amis. Oui. Ils ont été mal conseillés par mes amis. Je dis ça. Ils ont été mal conseillés par mes amis. Et voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Sky, ils m'ont porté plainte à la PJ. Hein? À la PJ, je les ai déjà gagnés. Parce que j'ai prouvé que je suis une entreprise, que je connais mes droits, que je respecte mon contrat. Maintenant, quand ils ont vu que ça a cuit à la PJ, je ne sais pas qui les a conseillés d'aller créer une nouvelle page. Ils sont, oui, je vais seulement taire le nom de celui qui l'a conseillé. Ils sont allés créer une nouvelle page où le petit frère m'a enrossé, frère. J'ai eu pitié de moi. Je suis sorti le jour où il a fait le direct. Je suis allé boire 8 musiques. Tu connais la musique? J'ai bu 8 musiques. J'ai fumé 2 chichas. Ils pouvaient porter le site avant-hier. Parce que j'étais glacé de voir que ce soit l'enfant à qui j'ai tout donné, là, qui soit en train de. Le gars m'a copieusement lavé. Je me suis dit que j'ai fait quoi? J'ai fait quoi pour mériter ça? J'ai fait quoi pour mériter ça? Que c'est pour une histoire de femme? Sky, moi, Pifo, je vais discuter la femme avec l'enfant là. Oh, je peux parler de femme avec lui. Non, ça m'a fait mal, frère. J'ai failli devenir bête. Depuis, je mange, ça n'entre pas dans mon ventre.
tout à l'heure, j'ai mangé, c'est là, fini dans mon ventre. Donc, là, le stress, non. Le stress, c'est la trahison, peut-être. Tu sais. Ça, c'est... Gars, j'ai jamais déprimé. Et pour une première fois dans ma vie, on m'a menotté. Pourquoi? Pour les enfants que j'ai aidés. Est-ce que c'est normal? Est-ce que je mérite ça? Je vous amène le gros marché. Là, voilà sur les affiches de UBA partout en ville, non? Hein? Sur les affiches de UBA, il est partout en ville, non? Hein? C'est le travail de qui? Est-ce que c'est moi qui suis sur les affiches, là? Je ramène les gros contrats, les contrats de 1 million. Mais eux, quand ils ont les publicités, ils font les publicités partout. Ils prennent l'argent, ils mangent. Tu comprends un peu? On ne m'informe même pas. Et quand je vois dans la vidéo, je demande, on me dit que non, c'est pour un grand frère là. C'est pour ma tante, c'est pour ma ceci. Il reste tranquille et dit que non. Si ça peut le permettre de manger, qu'il mange. Et tu sais ce qu'il a dit dans son direct? Que je suis une entreprise virtuelle. Tu comprends un peu? Comment les multinationales avec qui je gagne les marchés des millions depuis des années vont travailler avec une entreprise virtuelle? Non. Si tu n'es pas reconnu, tu n'as pas tes papiers des impôts. Merde. Les brasseries ne peuvent pas te donner les marchés. Orange ne traite pas avec toi. On ne traite pas avec les personnes physiques. Orange, on traite avec les entreprises. Bien sûr. Même si tu es local. Le gars m'a saboté. Il a menti sur mon nom. Il a menti sur moi dans son direct. J'ai pitié de moi. Il dit que c'est avec son argent qu'il a construit mes bureaux. Sky, tu as vu mes bureaux là. Imagine un peu le montant. Attends, dans le contrat où je gagne les 300 000 là, ça peut ouvrir ce que tu as vu là. Seulement le plancher que j'ai fait là-bas au salon que tu as vu, ça peut ouvrir ça, frère. Regarde le studio que j'ai équipé, regarde la qualité des caméras que j'ai. J'ai 8 employés. Un gars vient dire que je me suis trop enrichi derrière lui. Ouais. Sky, j'ai la voiture depuis combien d'années? Je loue depuis, je produis, j'ai financé les clips de Joël depuis combien d'années? Que j'ai d'accro mangé derrière lui. C'est lui qui mangeait derrière moi. Parce que dans les entreprises, on ne les veut pas, on ne les connaît même pas. Tu comprends un peu? C'est quand j'entre souvent dans un bureau, je tape fort, je dis que grand frère, donne un marché à mon petit. Donne-nous un marché. Tu comprends un peu, non? Je force même les marchés. Il y a beaucoup qui ne les aiment même pas. Comme Quincy, par exemple. Elle a, je ne sais pas le visage qu'elle aime, qu'elle a. On ne l'aime pas. On ne l'aime pas, mais je force les marchés. Bon, ils sont allés me porter plainte à la PJ. Ça a fui là-bas. Ils ont fui. Moi, maintenant, je suis parti à la région voir le colonel. Tu comprends un peu? Parce qu'ils pensaient que la PJ, c'était le dernier niveau. Hein? J'ai élevé le niveau, je suis allé porter plainte chez le colonel. Tu comprends un peu? Où on les a convoqués aujourd'hui, ils ont fui. On a donné une deuxième convocation en mettant le cachet sur ça urgent avec le big rouge, attention. Tu comprends un peu? Tu comprends un peu, non? Pour dire que monsieur, c'est un colonel qui vous convoque. Tout ce que je demande, c'est d'être dans mon droit de producteur. La page ne m'intéresse pas. Vous avez signé un contrat de 3 ans. Si vous voulez résilier, donnez-moi mes 6 millions, on résilie. Tu comprends un peu? Je ne refuse pas de résilier un contrat. Ah, voici un artiste qui vient de Yaoundé. Le voici. Il est venu me voir. Et je vais le développer aussi. Vous allez comprendre que c'est nous qui faisons les stars. Il s'est déplacé de Yaoundé pour venir me voir. Il dit, ils sont en centaines. En centaines. Qui m'écrivent dans ma page tous les jours que grand frère aide-nous. Et ça me... En fait, je vois, ça me décroche. Ça me donne plus l'envie d'aider les gens. À cause des voix comme ça. Maintenant, donc, ce qu'ils ne savent pas, c'est que ça va maintenant... Je suis très mal sur eux. Tu comprends un peu? Maintenant, donc, je dois aussi leur montrer que, comme vous êtes parti à la PJ, vous pensez que c'est le dernier niveau des relations. Nous tous, on connaît la loi là. Et ils vont me montrer ceux qui les amenaient à la PJ là-bas. Parce que le même jour, quand on m'arrête, quand on me menote, le manager de Ténor, ta fils, appelle mes partenaires pour dire que ah, voici, il faut qu'on a convoqué ici à la PJ. Que si tout ça, c'est vous lui donnez les gros contrats. La jalousie. Que tout ça, c'est vous lui donnez les gros contrats. C'est le contrat de Beignard Rico. N'est-ce pas? C'est parce qu'il travaille, frère. Qu'il prenne aussi les enfants, il développe, il prend aussi les gros contrats, non? Tu comprends un peu? Il me sabote pourquoi? Il appelle mes partenaires pour signaler ça. Non.
Non, qu'on arrête un peu. Parce que mon nom est sur Internet versé. Et il y a un petit sur Facebook là. Dites-lui. Ou c'est papa Zouazoua, ou c'est maman Zouazoua, ou c'est quoi Zouazoua, machin là. Dites-lui qu'il a l'habitude de rire avec les gens sur Internet. Il affiche les murets blanches, personne ne parle. Une page congocique là, un petit frère que je connais, il s'appelle Florian Wambé. Dites-lui que j'ai son numéro de téléphone, j'ai son nom, je connais où il vit. Dites-lui qu'il m'attend, qu'on va s'expliquer. Il va me dire si c'est lui qui a payé mes années d'études à l'ESTIC. J'ai fréquenté pour avoir ça, frère. J'ai crimé pour avoir ça. J'ai souffert pour avoir le nom que j'ai aujourd'hui. Que je peux désormais prendre un petit frère, je le développe. C'est depuis Bafang, depuis le lycée, que j'ai fait communication. Tu comprends un peu? C'est près de 12 ans. Alors à l'heure où je dois aussi manger, on veut m'écarter. Pourquoi? Ils disent que non, parce qu'ils ont 40%. 40%, c'est pour votre niveau. Tu comprends un peu? Après ça, quand le contrat finit, si vous êtes déjà très très tard, on renouvelle le contrat, on s'assoit, vous me dites que boss, comme tu vois là, 40%, on ne veut plus, on veut élever le niveau. Je vois si je peux élever le niveau. Si je ne peux pas, on se sépare, c'est de bonnes guerres, vous restez avec toutes vos pages. Ça ne m'intéresse pas, tout ce que je veux, c'est continuer le travail que j'ai commencé. Tu as déjà une entreprise, pourquoi confisquer ça? Je n'ai pas confisqué sa page. Ouais, pourquoi vous êtes têtu comme ça? Vous voulez comprendre ou vous ne voulez pas comprendre? Sa page ne me sert à rien. Je n'ai pas confisqué sa page. Le contrat, c'est le contrat. Et vous devez respecter ça. On arrive maintenant là-bas à la PJ. Ils disent que on est mineurs. Les mineurs qui discutent de femmes avec moi, qui veulent monter sur mes ex. Les mineurs qui me sabotent, c'est mes ex. Les mineurs qui veulent monter sur les mêmes femmes que leur producteur, que leur grand frère. C'est qu'il n'est plus mineur. Il devient déjà mon concurrent, en fait. Gros adversaire. Non, les artistes sont méchants. Les artistes sont les traîtres. Et voilà maintenant. Oui, j'avais 60%. J'avais 60% parce que c'est moi qui finance les vidéos. Hein? Les vidéos qui sont tournées professionnellement. En dehors des vidéos qu'on fait pour TikTok avec le téléphone. Dès qu'on veut faire un vrai tournage, c'est moi qui finance les tournages. Location de caméras, location de lumière, location d'appartement, le transport, le transport après le tournage, la nutrition et tout. Je finance les tournages. Maintenant, j'ai 40% en tant que producteur. Maintenant, en tant que manager qui ramène les marchés, j'ai aussi 20%. C'est ça qui me donne 60%. Et ils ont uniquement 40% en restant chez eux. Je suis dehors, je me ridiculise dans le bureau pour avoir les marchés. Hein? Il y a les gens à qui je n'allais jamais parler dans ma vie parce qu'ils m'énervent. Mais je me retrouve en train d'être leur ami. Je me retrouve en train d'être leur ami parce qu'on a me donné les marchés. Je subis les chantages dans le bureau parce que je suis là tous les jours, je supplie. Oh Big, pardon, donne-nous le marché là, non. Oh Big, avec mon niveau si frère. Avec mon niveau si, je me retrouve en train de me ridiculiser dans le bureau pour avoir les marchés. Non, il y a quelqu'un qui dit, non, c'est pas la femme mon problème. Hey Sky, j'ai baisé au minimum 500 femmes dans ma vie. C'est quelle sorcellerie ça que je vais parler de femmes avec un enfant? Ils s'élèvent même déjà bien. Vous dites même quoi comme ça? Oui, on va quelqu'un qui dit qu'ailleurs, les artistes ont 20%. Tu comprends un peu? Il dit que les locaux, même locaux, il dit ça haut. Locaux avaient 20% à Big Dream. Même tenant à 20% à Universal. Il y a vos gros stars là. Même, vous pouvez même voir faller à 20%. Hein. Non, il faut qu'on dise la vérité aux gens. S'il fallait trop, c'est qu'il a 30%. Vous parlez de quoi? Ils ont les 20%. Même les Kamen, ils ont les 20%.
Moi, ça m'a fait mal. J'ai dit à mes petits frères que pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Vous partez me porter plainte, on vient me kidnapper, on vient me séquestrer dans mon bureau. Pourquoi vous partez me porter plainte? Me voilà maintenant partout sur Facebook. Je suis devenu le malhonnête. On tire sur moi partout dans tous les sens depuis hier. On tire sur moi dans tous les sens depuis hier. Pourtant, c'est faux. Pourtant, c'est faux. Alors, comme ils voient qu'ils sont là, Star, non, Sky, je leur ai demandé que donnez-moi mes 6 millions et pas. Parce que les 6 millions vont apaiser mon cœur. Et ça va représenter tous mes efforts que j'ai fait pour vous. Et la preuve en est, j'ai ramené les factures des 6 millions que j'ai dépensées là-bas à la PJ. Bien sûr, je mérite ça, frère. C'est le premier TikToker qui est devenu star au Cameroun. C'est le premier TikToker qui est devenu star au Cameroun. On ne connaît pas comment j'ai développé sa page. On ne connaît pas comment j'ai développé sa page. Personne ne connaît. Et ce que beaucoup ne savent pas, c'est que j'ai mis ma carrière d'animateur en retrait. J'étais animateur. Et un très bon animateur. J'ai dit non. Le fait de rester devant là, ça ne donne pas l'argent. Hein? Le mieux, je me mets derrière, je crée le business, je gagne mon argent tranquillement. C'est ce que j'ai fait. Mais les petits frères me combattent pourquoi? Ils m'ont porté plainte, on m'a séquestré. Regardez mes mains. Regardez ma main. Voilà les cicatrices. Pour la première fois de ma vie, on me séquestre pourquoi? Pourquoi? J'ai porté plainte à la région, j'ai porté plainte chez le procureur de Ndokoti. Pour les messieurs qui sont venus me séquestrer. Il est anormal que dans un pays de droit, on vienne vous interpeller sans une convocation, sans un mandat d'arrêt, sans un mandat d'amener. Vous-même là, si quelqu'un vient vous interpeller au quartier, s'il n'a pas un mandat d'arrêt ou un mandat d'amener, ne vous levez pas. Ne vous levez pas. Appelez votre avocat si vous avez un avocat. Appelez votre avocat si vous avez un avocat. Ne vous levez pas. Maintenant, je suis le traître, frère. Il y a les filles qui m'ont bloqué sur WhatsApp en m'injuriant. Que donc tu es un voleur de page, on me bloque. Oh. Je mérite ça. Je mérite ça pour les enfants que j'ai aidés. Je mérite ça. Et il est parti créer une autre page. Sans le consentement de son producteur. Parce que nous sommes encore... Notre contrat est encore en cours. Ça veut dire que je vais d'abord l'attaquer pour ça. Aussi. Tu comprends un peu? Pour rupture abusive de contrat. Sans explication. Je n'ai pas reçu d'explication. Donc, quand souvent vous voyez un sujet sur Internet, essayez parfois d'écouter les deux parties. À l'instant où je vous parle, ils n'ont plus le courage de partir à la PJ où ils m'ont porté plainte. Parce qu'à la PJ, on leur a dit que vous n'avez pas raison. Vous n'avez pas raison. Vous êtes très jeune pour commencer votre carrière dans le commissariat. Ils ont quel âge? 20 ans, frère. C'est quelle image? Vous êtes très jeune pour commencer votre carrière dans le commissariat. Alors, il a fait un direct où m'injurer. Rassurez-vous. Hey, il ne m'a pas loupé, gars. Même pas. Hey, il ne m'a pas loupé. Il ne m'a pas loupé. Oui, j'ai même demandé qu'on supprime ça. Il n'a pas supprimé. Tu comprends un peu? Ça veut dire qu'il se voit déjà comme un concurrent pour moi. Et moi, je peux l'écraser. Je peux le faire disparaître des ressources. Et il connaît même. Lui-même, il connaît. Je fais pirater toutes ses pages. Toutes ces bêtises de TikTok, machin, Instagram et tout. Mais je ne vais pas le faire. Parce que je me dis qu'il est téléguidé. Parce que comment se fait-il que toi? Comment se fait-il que toi, mon ami Cabrel, un petit frère vient faire un direct chez toi où on me sabote? Tu es derrière, tu dis que tu devais te cacher depuis créer même la page. C'est toi, mon ami Cabrel. Regardez ce que Cabrel dit. Cabrel, quand il a ses problèmes, c'est moi qui achète ses problèmes partout.
Gabriel dit ça, mon ami d'enfance. Et le petit frère ne passe le temps avec moi. Il passe tout son temps chez Gabriel. Il est devenu le chien. Il est devenu le chien là-bas. Et pourtant, il rencontra chez moi. Et pourtant, c'est une star. Il est devenu le chien chez Cabrel. On l'a réduit à un petit chien là-bas, Bonemoussa dit. J'ai dit, non, arrête-moi ça. Il n'a pas compris. Il ne travaille plus. Tu comprends un peu? On vient faire le direct chez toi, mon ami Cabrel. Tu acceptes pourquoi? Et tu encourages même jusqu'à tu donnes les idées. Ils voient. Moi, j'ai bloqué Cabrel. J'ai fait un message à Cabrel que Cabrel, tu es mon frère, mais tu m'as dessus, je l'ai bloqué. Parce que ça ne sert à rien qu'on joue à l'hypocrisie, là, tu vois un peu. Qu'on fasse comme ça, avec toi, pourtant personne n'est avec toi. C'est Cabrel qui l'amène dans les anniversaires sans me dire. Est-ce que c'est normal? Il sait bien qu'il est un manager. C'est Cabrel qui lui fait. Oh, on lui fait faire des publicités sans m'informer. Est-ce que c'est normal? Et c'est moi qui l'amène chez Cabrel. Il n'était pas l'ami de Cabrel. Hein? Qu'on arrête un peu ça, l'hypocrisie là. Je n'ai pas aimé, j'ai dit à Cabrel que Cabrel, je n'aime pas les hypocrites, je l'ai bloqué. Il préfère vivre sans tout ce monde hypocrite là. Mais quand on me donne mes 6 millions, donnez-moi mes 6 millions. Donnez-moi mes 6 millions. Je mérite les 6 millions là. Donnez-moi les 6 millions là. Vous partez avec la poubelle. Je vous libère. Je vous libère. Maintenant, maintenant, quand on a un problème, c'est Cabrel qui lui dit que appelle, puis il faut que tu t'excuses. Il appelle. Ça veut dire maintenant c'est Cabrel qui lui dit tout en fait. C'est Cabrel qui est devenu le médiateur. Pourquoi? Il y a besoin de Cabrel dans le carré des médiatistes. Non. 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 Et j'ai dit au petit frère que petit frère, tu es star. Arrête les collaborations inutiles. Tout le monde vient le sucer, on part. Tu comprends un peu? Il fait les tournages avec tout le monde, on le suce. Quand tu atteins un certain niveau de starmania, tu ne collabores pas avec n'importe qui. Parce qu'il y a les mauvaises personnes qui vont venir tirer ton énergie. Ça, c'est spirituellement parlant. Tu comprends un peu? On va venir tirer ton énergie, te sucer. Après, on te lâche. Il y a beaucoup de personnes qui lui ont fait ça. Et il y a les petits qui sont maintenant célèbres sur Facebook là. Qui ont sucé l'énergie de TIC. Tu comprends un peu, non? Il y a dit beaucoup qui ont sucé son énergie et que j'ai vu. J'ai dit, petit frère, écoute-moi, il ne m'a pas écouté. Il a dit, mon petit, écoute-moi. Il ne m'a pas écouté. Non, qu'on arrête un peu ça. Qu'on arrête un peu ça. Et avant ça, j'ai reçu des appels bizarres. Me demandant de me méfier. Hein? Je te dis que non, j'ai reçu des appels bizarres. Me demandant de me méfier qu'il y a le mal qui arrive. Tu comprends un peu, non? Ok. Donc, me dit que petit, que, pif, où tu es là, ton poison est préparé quelque part. On t'a déjà cherché mystiquement, on t'a pas eu. Maintenant, on vient physiquement. Tu comprends un peu, non? J'ai reçu les appels. Deux personnes m'ont appelé pour me dire ça. Que fais attention, il y a ton poison quelque part. Fais attention. On m'a appelé, on m'a dit ça. Et le jour où je sors de la PJ, hein, la même femme là m'appelle. Qu'avant ça, elle m'écrit depuis, elle me dit, puis il faut savoir. J'ai dit, je ne réponds pas. Elle m'a encore dit, puis il faut savoir. J'ai dit oui. Elle me dit, tu es sûr que ça va? J'ai dit oui. La personne est à Paris. Elle est à Paris. Elle m'appelle le jour que je sors de la PJ. Elle me dit, je suis en train de voir une trahison. Je vois deux mains de ces personnes et un gros derrière. Tu comprends un peu, non? Tu vois qu'il y a deux mains de ces personnes, tu vois qu'il y a un gros derrière. Tu comprends un peu, non? Et j'ai dit que, tu es seulement sorcier. Je suis en train de vivre ça. Je sors de la PJ comme arrêté. C'est pourquoi je suis fâché, gars. Je suis fâché, ils font ça pourquoi? Ils font ça pourquoi? Il a dit que non,
Tu n'es pas, tu n'es plus au niveau que tu vois seulement. Je suis en train de vivre ça. On m'a menotté en journée. Non. Je dis que si les gars avaient moyen de me donner le poison, ceux qui m'ont donné le poison depuis, personne n'est content du succès de Tikle. Depuis que le manager là, les gens ont mon mal. Ta fils même a écrit à Tik qui veut le manager depuis à l'époque. Quand je commençais à pomper Tik sur les réseaux, ta fils lui a écrit que je veux te manager. Le petit a refusé. Le petit a refusé. Que je me sens bien avec Pifo. Maintenant là, il y a de nouvelles personnes qui sont tapies dans l'ombre pour nous séparer. C'est pourquoi il dit que je ne l'en veux pas. Ce n'est pas de sa faute. Mais il est en train un peu de pousser le bouchon plus haut. Tu vois un peu? Parce que ce n'est pas la première fois qu'on a les PB. On a souvent les PB, mais je tue ça. Je tue ça en inbox. Je tue ça en inbox. Tu comprends un peu, non? Je tue ça en inbox. Maintenant jusqu'à aller faire un direct pour me salir. Je dis la vision là était vraie, la femme la voit. La femme la voit. Je vous parle d'une femme qui a sauvé les gens dans ma famille. Il faut dire même dire la vérité au roi. Elle voit. Elle m'a dit sur Skype. Je l'ai vue comme une sorcière. Hein? Oui, parce que je l'ai dit que, ok. Olinga, comment tu me dis ça? Je suis en train de vivre ça, Olinga. Je suis en train de vivre ça. Ça, donc ce que tu me dis là, c'est seulement pour confirmer ce que tu as vu. Et que chaque fois quand j'ai un malheur, elle m'appelle. Que méfie-toi. Quand j'ai un faux, ouais, elle m'appelle. Qui doit arriver? C'est même quelle sorcellerie ça que les gens me veulent, non? Créez vos artistes, managez-les aussi. Ils ont le nom, ils ont le succès et vous mangez derrière. Tu comprends un peu? Mais pourquoi je dois créer mes artistes? Et pas les artistes à la Nyang, machin et autres. Parce qu'il y a artistes et artistes. Je n'ai pas créé un artiste qui est venu pervertir les enfants des gens sur Internet. J'ai créé un artiste propre. Tic, sa carrière est propre depuis le début. Quincy, sa carrière est propre depuis le début jusqu'à présent. Mais maintenant, les gens sont venus gâter ça. On les a mis dans le monde maintenant. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que Pifo est prêt devant et derrière. Même côté spirituel, là, je suis puissant. Je vous dis ça. Allez encore bien voir vos gens là. Ils vont vous dire que l'enfant là est méchant, il est puissant. Je vous dis ça. Vous qui partez avec mon nom chez les marabouts là, je vous dis ça aujourd'hui en direct. Méfiez-vous. Parce que le Bak to Senda qui arrive là, le retour de ça qui arrive là, vous n'allez pas supporter. Et on va voir ce que ça va donner. Le Bak to Senda qui arrive là. Méfiez-vous. Comme vous voyez les enfants des gens vivre leur vie paisiblement, se battre pour avoir le pain quotidien. Vous voulez gâter pourquoi? Vous m'avez déjà vu un jour dans vos carrières. Hein, ta fils. Il a dit un jour que je veux manager tes noms. Tes noms, c'est mon petit. La première fois que tes noms entrent en boîte de nuit, c'est moi qui l'amène en boîte de nuit. Il ne connaissait ni ta fils, ni Dex Willy. Hein? Il connaissait un gars, la Vibri. Vibri qui était photographe au Djega où je travaillais. Tes noms arrivent en boîte. Parce qu'il avait fait un son sur Nathalie qui avait buzzé là. Tu te rappelles, non, son premier son même, c'était sur Nathalie. Il arrive en boîte, mon boss Emmanuel Nguele me dit que Pifo, comment tu m'as amené quelqu'un qui insulte ma cliente? Il ne veut pas qu'il preste. Emmanuel est discret. Il fait la bassine, il envoie le son. Quand Emmanuel revient, il voit comment toute la salle a sorti le téléphone. Il ne peut plus interrompre le show. C'est comme ça que Ténon entre dans le cœur des gens en boîte. Et il entre dans le cœur d'Emmanuel. Les premiers 300 000, le cachet de Ténor, les premiers 300 000 qu'il a touché, c'est moi qui le lui donne. Avec d'où le DAP, dès qu'il sort d'où le DAP.
Il fait Emmanuel appelle le Dieu, quand on lui donne le cachet, il dit que boss, c'est le petit que vous avez refusé un jour qui chantait là ici. On lui donne le cachet, on le loge à l'hôtel, hôtel 5 étoiles. Il y a quel artiste de la nouvelle génération que je n'ai pas aidé? La première fois que Loco, j'ai dit ça aujourd'hui en direct, que Loco, as-tu entre en boîte, c'est moi qui l'amène dans le même Dieu Gala. Tu comprends un peu? Il y avait mon événement au Dieu Gala dimanche, Sunday Birthday, où je célébrais les anniversaires des artistes. Tous les dimanches. Et les gars avaient là, les gars, même à Yaoundé, on avait mon moment. J'ai fui Yaoundé parce qu'on avait d'un trop moment à Yaoundé. J'ai rempli la boîte le dimanche, frère. Sans être fils de bobo, sans être fils de riche que je vais appeler mes amis riches. Non, j'avais mes stratégies à moi pour remplir la boîte le dimanche. Il fait venir Loco en boîte. Loco Prest avait son titre Perfect Girl qu'il avait fait avec Numérica à l'époque. Elle est so sexy. Tu connais le son, son premier son avec Numérica. C'est moi qui je fais venir Loco en boîte. Il chante N'Djo. C'était sa première fois de chanter dans une boîte de nuit. Et il venait de N'Djambo. Dès qu'il a fini N'Djambo à Douala, comme il avait annoncé en boîte, il a pris la route pour venir prester en boîte. Parce qu'ils avaient besoin de scène. Tu comprends un peu? Dès qu'il sort son son, c'est un doutou. On l'appelle encore, on lui donne le cachet 300 000. Quel sort le prochain son? Je pense que c'était un doutou. On nous donne encore le cachet 300 000. On ne m'a jamais donné 25 pour ça. Je n'ai jamais appelé l'artiste que j'ai faim. Donne-moi 5 000. Je n'ai jamais demandé l'argent à un artiste que, bro, donne-moi 10 000 là-bas. Non, je ne m'en dis pas. C'est pourquoi tous là, ils ont mon mal. Que comment le petit frère a réussi à s'en sortir sans être mendiant, sans être fils de, sans être. Sans être. Tu comprends un peu? Mais les gars ont combattu mon concept en boîte là. Je ne sais pas s'il y a un artiste à Yaoundé qui n'est pas passé sur moi, sur ma scène. C'était déjà que le dimanche, les artistes à Yaoundé bagarraient pour passer là-bas. Il a dit bagarraient. Après, on m'a dit que je n'ai rien fait pour le showbiz, comment? J'ai tout donné. Il est là que je mange. Tu comprends un peu, non? Il est l'heure que je prenne un petit, je mange sur lui, il mange sa part à son niveau. Quand il va aussi faire 10 ans, hein, qui peut déjà se produire seul. Il se produit aussi, il mange. Il produit aussi d'autres enfants, il mange. Voici la chaîne du showbiz. Hein. Quand tu n'es rien, tu acceptes qu'on abuse même de toi. Tu joues au mougou avec le grand là. Il a beaucoup fait pour moi, je pense que j'ai déjà mes moyens, machin. Tu lui dis, vous vous arrangez dans la paix, vous vous séparez. Mais si c'est dans la guerre, le karma va te poursuivre jusqu'à ce que tu auras les vertiges. Il dit le karma va te poursuivre jusqu'à ce que tu auras les vertiges. Mais au Cameroun, les artistes sont ingrats. Ils sont ingrats. Est-ce que c'est bien? Ça ne profite pas. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter un excellent... Une excellente soirée. Et je vais vous donner la suite de l'histoire. Maintenant, c'est moi qui dois donner la suite de l'histoire. Parce que ils sont allés me porter plainte, ils ont fui. Ils sont allés porter plainte ailleurs où je vais les poursuivre. La page qu'ils ont créée là sera fermée. Parce que le gars qui a créé la page là, c'est un petit frère qui se bat. Il va enlêter. Je lui ai dit que petit frère, avant de créer la page, là, tu as mon numéro, tu m'as demandé. Il s'est agité. Il a commencé à s'agiter, Yaboulamou Sadi. Il a commencé à s'agiter. Il a fait comme ça, pape, il a retiré la convocation du colonel. Il lui a donné. Quand tu attends chez le colonel, tu vas venir chauffer là-bas et venir voir. Maintenant, ils vont donc faire ce que je veux. Tu comprends un peu, non? Même s'il faut que quelqu'un, la tête de quelqu'un tombe, ça va tomber. Hein? Je vais aller dans, je vais suivre mon droit. Ce que les gens ne comprennent même pas d'abord, c'est que non. Mm-hmm. Pour le moment, tu exerces tes droits de manager et de producteur. Tu es encore en je contrat. Je ne suis que mon contrat. Il est encore en contrat. Hein? Oui. Soyons clairs. Dans la page qu'on allait créer sans mon consentement, là, ils doivent me supprimer ça pour leur bien. J'ai averti que supprimer la page, la personne a supprimé. Comme pour dire qu'ils sont forts, ils sont plus forts que moi. Je vais voir, vous pouvez être plus fort que Pifon. Mais vous ne pouvez pas dépasser un colonel.
Vous ne pouvez pas dépasser un général. Vous ne pouvez pas dépasser la loi, en fait. Vous ne pouvez pas dépasser la loi. Vous pouvez dépasser Pifo, mais pas la loi. Vous pouvez dépasser Pifo, mais pas la loi. La loi vous oblige à respecter le contrat. On m'accuse pourquoi? Est-ce qu'ils ne sont pas stars? Est-ce qu'ils ne ramènent pas les marchés? Et récemment, ils ont dit que on ne fait plus la vidéo, machin. Je leur ai dit non. Depuis, je ne produis plus la vidéo parce que je vais acheter un nouveau matériel. Tu es venu au studio, tu as vu le matériel que j'ai acheté, non? J'ai commandé un matériel de la Chine. Vous avez vu le matériel que j'ai commandé? C'est pour eux. Hein? C'est pour leur vidéo. Hein? Mais hey, je suis même allé prendre un appartement là-bas, un truc derrière les secs là-bas. Que non, désormais, on va tourner toutes nos vidéos là-bas. Eux, un appartement chic, beau. Mais pour eux, c'est qu'ils veulent faire déjà ce qu'ils veulent avec leur téléphone. Tu comprends un peu? Je leur ai dit que vous n'allez jamais accéder à la grandeur avec les vidéos du téléphone. Non, migrons vers le cinéma. Faisons le cinéma maintenant. Laissons les TikTok, machin. Impactons la société. Visons gros. C'est pourquoi j'ai acheté les appareils pour ça. Mais c'est que, oh, Pifo est jaloux de nous. Oh, Pifo a 60%. Oh, Pifo est très capricieux. Ouais. Donc, sur ce...